En plus de s'intéresser à la philosophie comme sa célèbre maman Charlotte Casiraghi, membre fondateur des Rencontres philosophiques de Monaco. Le petit-fils de la princesse Caroline de Monaco serait initié à une langue rare, la langue parlée par Jésus-Christ. Et c'est son père, Gad Elmaleh, actuellement en pleine promotion de son dernier film « Reste un peu », où il est question de son cheminement vers la Vierge Marie qui devrait jouer les professeurs. Même s'il est né dans une famille juive d'origine marocaine, l'ex de Charlotte Casiraghi a reçu une éducation religieuse. Et il en parle lors d'un entretien accordé à Madame Figaro, où il confirme avoir étudié dans une yeshiva, un centre d'apprentissage de la Torah et du Talmud. C'est là qu'il a étudié l'analyse de l'Ancien Testament. « J'ai donc appris à lire et à écrire l'araméen, langue dans laquelle s'exprimaient Rachi et Onclo, mais aussi Jésus. Pourtant, pendant toutes ces années, j'ai gardé l'expérience à l'église comme un secret, car il était impensable pour moi de l'évoquer à la maison ou à l'école », a-t-il indiqué. Et sans doute, il va initier ses fils, dont le petit Raphaël, à cette langue rare. L'enfant serait déjà doué en philosophie puisqu'il pose de surprenantes questions à son illustre père, qui a fait des longues études alors que ses professeurs lui disaient qu'il n'était bon à rien. Il en parlait dans série documentaire « Les Cancres ». Mais cela n'aura pas suffi à le démotiver, puisque c'est au Canada qu'il a fini ses études secondaires avant d'entamer un cursus en sciences politiques dont il a été diplômé avec les honneurs. De quoi retrouver le sourire, a commenté la publication. Mais c'est finalement dans la comédie qu'il trouvera sa voie.